Bonjour, je suis François Servel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 minutes pour apprendre Redis. Je peux pas tout vous dire en 5 minutes, hein, il peut y avoir des raccourcis. La transcription de cette vidéo est également disponible dans un article sur mon blog. Alors, Redis, un entrepôt clé-valeur, clé-structure de données. Redis a été conçu dès le début comme une base NoSQL dans la famille clé-valeur. Cela signifie que vous pouvez enregistrer n'importe quelle valeur derrière un identifiant unique et que vous pouvez récupérer la valeur à partir de l'identifiant. L'expiration automatique des clés. Redis peut attacher un minuteur, connu sous le nom de Time to Live ou TTL, à chaque clé et va le mettre à jour. Ce compte à rebours va être décrémenté jusqu'à 0, puis il fera automatiquement expirer la clé et sa valeur. Cela peut être utile pour des valeurs temporaires ou pour une mémoire tampon. Alors on va utiliser un jeu de données d'exemple. Prenons un cas d'usage simple avec une liste de clients, une liste de produits et une liste de commandes. Pour garder les choses simples, une commande ne fait référence qu'à un seul article. Il pourrait s'agir d'un modèle de données pour un besoin d'analyse, afin d'avoir des statistiques de vente ou de marketing. Alors, en ce qui concerne le modèle d'accès aux données, dans un entrepôt clé valeur, même s'il existe des possibilités pour parcourir et requêter le dictionnaire des clés, cela est contraire à son but. Si vous enregistrez des clients, commandes et produits, cela signifierait effectuer un parcours complet des trois tables juste pour retenir quelques identifiants. Ainsi, soit l'application connaît l'identifiant dont elle veut la valeur, soit elle ne peut pas récupérer la valeur. Soit l'identifiant est connu, une valeur constante par exemple, il peut être calculé aussi, deviné à partir d'informations déjà connues, ou il peut être retrouvé à partir de la valeur d'une autre clé, une liste d'identifiants, par exemple, qui serait stockée dans une clé, la liste d'identifiants clients, qui permet de retrouver les enregistrements des clients. Par exemple, si l'application enregistre des clients en utilisant un identifiant client comme clé, elle peut créer un enregistrement par client et une clé spéciale client, contenant la liste des identifiants. Ainsi, soit l'application connaît l'identifiant du client souhaité pour en obtenir les détails, soit elle peut lire la liste de tous les identifiants clients, et uniquement cela, depuis la clé client au pluriel, et parcourir les enregistrements clients et uniquement ceux-là en ignorant donc les commandes et les produits. Cela correspond à l'implémentation d'un index primaire. Alors, cette approche peut sembler plus complexe car l'application doit exécuter deux requêtes. Lorsque cette application exécute une seule requête dans une base de données indexée, le moteur de cette base exécute ces deux requêtes pour vous également. Il a ce comportement car il implémente une logique générique qui n'est pas du tout optimisée par rapport à votre besoin spécifique. Avec Redis, vous pouvez implémenter le niveau exact d'optimisation souhaité. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez souscrire car j'ai prévu de détailler la conception de modèles de données clé-valeur dans une autre vidéo. Ce qui concerne le stockage des données, sont structurés. Dans notre exemple, nous utilisons des enregistrements clients avec un prénom, une civilité, des fiches produits avec une description, un prix, et des commandes avec une date. Nous avons également enregistré la liste des identifiants clients, la liste des commandes et la liste des produits dans trois clés différentes. Plus simplement, en fait, nous avons besoin de stocker des enregistrements et des détails et des listes d'identifiants uniques. Bon, il serait possible de stocker toutes ces informations dans un bloc sérialisé, mais certaines requêtes ne seraient pas très efficaces. L'application qui souhaite savoir est-ce que la référence XXX existe dans le catalogue aurait à télécharger l'intégralité du catalogue, autrement dit la liste des identifiants produits, la désérialiser et la parcourir. Bon, ça peut être très consommateur en bande passante réseau, en charge CPU et en mémoire. C'est pourquoi Redis comprend les structures de données telles que les listes de valeurs uniques, les stocks en tant que tels, et peut les manipuler également. L'application peut donc directement demander à Redis « Est-ce que la référence XXX appartient à la clé produit ?» Redis va directement donner la réponse. Ainsi, les applications n'ont pas besoin de télécharger un enregistrement potentiellement volumineux à travers le réseau, de le désérialiser, ou de le parcourir. En plus, elles n'ont pas à se soucier de gérer une protection contre les accès concurrents comme des verrous lors des modifications. Redis, finalement, a les avantages d'un entrepôt clé-valeur, la simplicité et l'efficacité, sans en avoir les inconvénients, vous avez compris le principe. Je parlerai plus en détail des structures de données disponibles dans la prochaine vidéo et de la conception également des modèles de données dans une autre vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » ou sur le bouton « J'aime pas hein. », les deux sont très intéressants pour moi pour adapter le contenu. Et par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne.